Bonjour à tous, c'est Blanche de la chaîne Blanche Bouquinée. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous avez vu, je suis hyper heureuse de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. J'ai essayé de faire une petite introduction. Prenez un thé, un café parce que cette vidéo peut être longue. On verra bien de ce que j'ai à dire sur les livres que j'ai lus ce mois-ci. Mais donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est mon premier véritable update lecture. En fait, à chaque fois, je me mettais la pression sur les updates lecture parce que je trouvais que j'avais pas lu assez ce mois-ci. Je trouvais que j'avais pas lu des livres assez pertinents pour l'audience sur YouTube, on va dire. Et en fait, à chaque fois, je me mettais la pression, ce qui fait que j'ai jamais commencé mes vidéos update lecture, alors que c'est ce pourquoi, normalement, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et là, je me suis dit, pas de prise de tête, voilà, ce mois-ci, j'ai pas lu énormément, voilà, j'ai pas lu 10 livres, j'ai pas lu des livres avec 1000 pages, etc. Mais j'ai quand même lu des choses, et j'ai des choses quand même intéressantes à vous montrer. Donc, j'avais hâte. Avant de commencer, je tiens à faire juste un petit disclaimer. Bien évidemment, dans ces vidéos, il ne s'agit pas de donner un avis objectif. Tous les avis que je vais énoncer, c'est purement subjectif. Ça correspond à mon avis, à un moment donné de ma vie, à la période où je l'ai lu, selon mes attentes, selon ce que j'aime, etc. Donc ça n'a aucun sens, en fait, de vous livrer un avis qui se veut objectif, alors que c'est pas du tout le but. Moi, je vous présente juste des livres que j'ai bien aimés, ou même des livres que j'ai pas spécialement aimés. Bref, je vous présente mes lectures du mois, et puis vous en faites ce que vous voulez de mon avis. Mais globalement, si vous n'avez pas les mêmes avis, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la diversité des avis. C'est tout à fait compréhensible, mais n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, comme ça bah on s'échange nos avis dans les commentaires, et puis au moins ça permet aussi aux personnes qui aimeraient avoir une pluralité d'avis avant de se lancer dans dans la lecture d'un roman, de pouvoir regarder la communauté, ce qu'ils en pensent, etc. Donc n'hésitez pas, dans le respect, dans la bienveillance, et si je critique un livre que vous avez aimé, bah je suis désolée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais comme dit, le respect et la bienveillance, et tout se passera bien. Donc on va tout de suite commencer dans l'ordre chronologique, et ce mois-ci je n'ai lu que, oui, que 3 livres. En plus, il y en a 2, c'est des livres de poche, donc je triche un peu, mais j'avais quand même vachement envie de vous en parler, et puis si je commençais pas en septembre, je n'allais jamais commencer. Donc autant commencer mes updates lecture chaque mois à partir de ce mois-ci. Et puis voilà. Le premier livre que j'ai lu ce mois de septembre, il s'agit du livre du Chant d'Achille de Madeline Miller. Donc c'est aux éditions Pocket, et je pense que vous l'avez vu passer, il a gagné le Orange Prize for Fiction 2021, me semble-t-il. Donc il a été traduit d'anglais par Christine Hocher, et je vous mets le résumé juste ici, quelque part par là, mais globalement c'est une réécriture du mythe d'Achille, donc du mythe du personnage de la grecque, de la mythologie grecque, pardon, d'Achille, et contrairement à... le changement se situe dans un changement de point de vue et non pas dans un changement de temps, parce que moi au début je pensais que c'était une lecture contemporaine. Je pensais que c'était une romance contemporaine entre un homme et un homme, tirée un peu du chant d'Achille, enfin du mythe d'Achille, pardon, dans un contexte globalement contemporain à notre époque et tout, mais pas du tout, et j'étais agréablement surprise pour ça. Je pense que vous l'aurez reconnu, le chant d'Achille, c'est un livre qui a été très popularisé sur les réseaux, il a fait énormément parler de lui, et puis je comprends pourquoi. Et puis honnêtement, il y a plein de gens qui ont dit comme quoi, ce livre est réputé pour avoir une fin absolument triste, et puis à faire pleurer parmi beaucoup de personnes dans la communauté. Moi j'en reviendrai juste après pour la fin, mais globalement j'étais agréablement surprise. Moi je pensais que ça allait être comme beaucoup de livres hype sur les réseaux, où finalement je suis un peu déçue parce que mes attentes sont placées, je pense, différemment. Enfin, mes attentes sont tout simplement différentes, mais franchement j'ai été agréablement surprise par celui-ci. Donc on suit en fait la jeunesse de Patrocle, hein, qui est du coup un guerrier de Troie, qui est également l'amant d'Achille en fait. Et puis ils vont participer à la guerre de Troie, et puis d'ailleurs les derniers chapitres ça se passe à la guerre de Troie. Et globalement, le changement de point de vue est donc le point de vue est focalisé sur son amant Patrocle et non pas sur Achille. Ce qui en vrai est intéressant parce que le personnage d'Achille décrit dans ce roman, il est intéressant, mais... disons que je préfère que ce soit Patrocle, parce que Patrocle est attachant, Patrocle est humain, et c'est ça qui est vachement cool. C'est d'ailleurs ça qui le différencie avec Achille, parce que Achille est un demi-dieu, donc globalement, côté humain, on en repassera. Il y a plus normal qu'Achille, on va dire. Donc voilà, on suit Patrocle, hein, qui, par une certaine circonstance, on va dire pas tellement cool, va être amené à changer
de territoire et elle va être en fait expatriée. Et surtout, il va être déshérité, déshonoré, tout ce que vous voulez. Parce qu'avant, il est prince, mais il va se finir, enfin, il va finir en fait dans le royaume, enfin, dans les propriétés et les terres, pardon, du père d'Achille. Et il va se construire toute une relation avec Achille. Au début, c'est une relation d'amitié, et puis petit à petit... Enfin non, en fait, je pense que ça n'a jamais été une relation d'amitié, mais petit à petit, il y a un lien qui se crée. Et donc, on voit Achille et Patrocle évoluer dans les terres d'Achille de base, enfin, du père d'Achille, parce qu'Achille est aussi un prince. Puis après, ils partent chez Chiron. Hein, je pense que si vous connaissez la mythologie grecque, vous connaissez Chiron. Et ça, c'était trop un beau moment. Honnêtement, c'est mon personnage, enfin, c'est mon passage, pardon, préféré dans le livre. Et après, il se retrouve malencontreusement à devoir guerroyer à la guerre de Troie. L'écriture est vraiment agréable à lire. Franchement, je trouve que la plume est assez... Déjà, elle est assez prenante parce que, par exemple, il n'y a pas une seule fois où je m'étais fixé un nombre de chapitres et où je ne l'ai pas dépassé au final. Et pourtant, ça m'arrive rarement. Par exemple, si je me dis... Tiens, je vais m'arrêter au chapitre 12. Je suis sûre à 100% que je m'arrêterai pas au chapitre 12, mais plutôt 13, 14, même 16. On nous met super bien dans l'ambiance de la Grèce antique, parce que oui, ça se passe en Grèce antique en fait. C'est pas du tout contemporain comme ce que je le pensais à la base, et c'est tant mieux pour moi, parce que je préfère largement les récits historiques que les récits contemporains. Alors on va dire que tout le côté un peu Grèce antique, etc., ça aurait pu être accentué dans le roman si on voulait vraiment faire un truc historique où la romance globalement n'est pas, on va dire, au centre. Même si, je vais revenir après, mais la romance, j'ai bien aimé comment ça a été formulé, enfin comment ça a été tourné. Ça aurait pu être selon moi un peu plus historique, mais c'est selon mes ententes, et franchement, ce livre les a plutôt bien comblés. Du coup, au niveau de la romance, parce que c'est quand même globalement le point principal, on va dire, du livre entre Achille et Patrocle, parce que c'est pas du tout un spoil, hein, c'est le principe même du livre. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a pas été très présente, dans le sens où elle a pas été trop présente. En fait, la romance est quand même un point central du livre, mais il y a quand même d'autres choses à côté. Il y a des intrigues politiques, il y a des passages de guerre, parce qu'il y a la guerre de Troie, donc c'est quand même important. Il y a des scènes de vie après de la Grèce antique, et ça, j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est pas trop... Franchement, il n'y a pas tant de romance que ça. L'auteur aime bien nous faire comprendre les choses sans nécessairement nous les dire, et ça, j'aime beaucoup, parce que ça fait que elle n'est pas obligée d'expliciter cette romance. On sait qu'elle est présente, on sait à peu près ce qui se passe et quelle dynamique fonctionne, enfin, comment fonctionne le lien entre Achille et Patrocle, et j'aime beaucoup. Et franchement, c'est un bon compromis entre une romance historique dans le temps de la Grèce antique et entre juste un livre historique, et ça, c'est vachement cool. La romance est quand même très présente, hein, c'est pas ce que je dis, mais elle est pas trop présente à mon goût, et étant pas du tout fan de romance, j'ai apprécié ce point-là. L'histoire, elle se déroule assez vite, les éléments s'enchaînent assez naturellement, et j'ai pas spécialement de moments où je me suis ennuyée, pas du tout, donc ça c'est aussi un bon point. Donc voilà, par contre je vais juste revenir sur la fin. Concernant la fin triste, émouvante, etc., j'ai été un peu dubitative, voilà. Le seul petit bémol de ce livre, pour moi, il se situe à la fin. J'ai pas aimé comment ça a été tourné. Je trouve ça très poétique, hein. Je trouve ça une très forte signification. Et puis ça fait sens aussi historiquement, parce que c'est comme ça que se passaient en fait les croyances populaires à l'époque des Romains et de la Grèce. Des Grecs, du coup. Mais j'avoue que j'ai pas apprécié comment la fin a été tournée. Globalement, pour la fin, mes attentes n'ont pas été comblées. J'aurais préféré... Je vais pas m'étendre là-dessus parce que je vais pas vous raconter la fin, mais déjà on la voit venir, c'est normal, parce que si vous connaissez le mythe, bah vous connaissez la fin. Il y a certaines phrases et tout qui sont tournées pour nous faire comprendre ce qui va globalement se passer à la fin, donc voilà, c'est intéressant là-dessus, mais globalement j'ai pas aimé comment la fin a été tournée. En fait, voilà. Je peux pas trop en dire malheureusement parce que bah, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais pour résumer, ce livre vaut vraiment le détour parce que honnêtement, il mérite sa hype. Si vous êtes un peu familier avec la mythologie, vous allez prédire la fin. Voilà, vous connaîtrez la fin et vous allez peut-être pas être autant attaché à ça, au personnage. Mais ça peut quand même valoir le détour étant donné que... En fait, ça peut convenir à beaucoup de gens. Si vous cherchez de l'historique qui se situe en Grèce antique, ça peut être sympa pour vous pour le découvrir. Mais bon, ce sera pas très approfondi niveau connaissances, mais ça peut être sympa. Et si vous cherchez une romance mignonne entre deux hommes
aussi dans un contexte historique, ça peut vous combler. Si vous cherchez juste une histoire sans prise de tête, ça peut vous combler. Donc honnêtement, ce livre peut combler beaucoup de personnes. Et j'ai été conquise, donc je l'ai mis, comme j'ai dit précédemment, dans la catégorie argent sur BookNode. La catégorie argent sur BookNode, c'est globalement, j'ai apprécié ce livre, je serais en mesure de le recommander, hein, par exemple à des amis ou même à vous, je peux vous le recommander, il n'y a pas de souci. Néanmoins, je pense pas que ce soit un coup de cœur. Et enfin, ce n'est pas un coup de cœur, c'est pas je ne pense pas, c'est que ce n'est pas un coup de cœur et je ne le relirai pas. Mais franchement, agréable découverte et j'étais superbement surprise. Je vous laisse le découvrir si ça vous intéresse. Franchement, j'ai passé un bon moment et puis comme vous pouvez le voir, dès que je suis impliquée, moi je mets des post-it. J'ai été impliquée dans ma lecture à certains passages, donc c'est intéressant. Et une petite pensée pour Briseis qui est un personnage globalement incroyable. Et c'est dommage que la fin ne revienne pas sur Briseis parce que globalement, Briseis est une reine incroyable. Ensuite, je vous parle, et alors je pensais jamais que j'allais vous parler de ce roman, mais je vous parle du Journal d'un vampire de L.G. Smith aux éditions Black Moon, qui est du coup la sous-maison d'édition de la maison Hachette, qui a malheureusement fermé ses portes. La maison Black Moon, globalement, il faisait beaucoup beaucoup de romans type comme ça. Je disais donc la seule raison pour laquelle je l'ai acheté, enfin je les ai achetés puisque j'ai 6 tomes d'avance, c'est que j'ai trouvé les 6 premiers tomes à 18€, un tome pour 6. Et ils sont en excellent état, ils sont quasiment neufs. En fait, ils sont juste usés dans le sens où ils sont vieux, parce que c'est des vieux romans. Mais sinon, ils sont quasiment neufs, du coup, j'étais trop contente de les avoir. Et je pensais jamais que j'allais les lire, en tout cas pas de sitôt, parce que c'était pas mon type de lecture à la base. Mais pareil, agréablement surprise. Avant tout à dire, parce que ça a de l'importance visiblement avec, avec ce roman, c'est que je n'ai pas vu la série Vampire Diaries, je n'ai jamais regardé ne serait-ce qu'un épisode de Vampire Diaries, et je pense qu'il y a énormément de personnes qui n'aiment pas du tout ce livre, donc Journal d'un vampire, parce qu'ils ont vu la série avant, et il me semble que la série est un petit peu moins cliché, un petit peu mieux faite, mais il faut remettre dans le contexte, c'est un roman qui est assez vieux et c'est un roman qui a été produit à une époque où ce genre... Bon, vous voyez les reflets, c'est insupportable. Mais ce roman a été produit à une époque où ce genre de livre faisait fureur. Et je pense qu'il a fait fureur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été adapté en série, sinon personne n'en aurait entendu parler. Alors attention, c'est très cliché. Bon, avant, je vais vous résumer. Globalement, c'est une fille qui s'appelle Elena, qui est très très populaire dans son lycée, en terminale, ok, qui a toute une bande d'amis qui est très appréciée, globalement. Un peu reine du lycée, etc. Et elle a tous les garçons à ses pieds, mais elle s'ennuie un peu, elle a aucun challenge avec ses garçons, et donc en vrai de vrai, elle s'en fiche un peu. Donc voilà, elle change de garçon comme de pull. Restons dans l'ambiance automne, elle change de garçon comme de pull, et puis, voilà, elle n'a jamais vraiment été impliquée dans une relation. Et une personne assez mystérieuse, grand, brun, ténébreux, avec un blouson noir et des lunettes de soleil, va se pointer dans le lycée comme étant un nouveau. Sauf qu'il va totalement snobber Elena, et ça, Elena, elle déteste. En plus, elle se sent attirée par lui. Globalement, elle n'a plus que lui dans la tête, et elle va faire des stratagèmes pour l'avoir avec ses potes. Et voilà, elle va faire des stratagèmes pour être attirée par ce fameux Stéphane, je ne sais pas. Moi, je vais l'appeler Stéphane, parce que mon tonton s'appelle Stéphane, et j'ai pas envie de l'assimiler à ça. On va se rendre compte que Stéphane est un vampire. Waouh, est-ce que quelqu'un s'y attendait? Je ne sais pas. Ce livre est globalement très 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 cliché. Pour vous dire à quel point c'est cliché, ok? La première phrase du premier chapitre, la toute première, hein, partie 1, chapitre 1, tome 1, c'est écrit sous forme de journal déjà, hein. Enfin pas tout, mais une grande partie est écrite sous forme de journal. La première des phrases, pardon, c'est une phrase que va écrire Elena dans son journal qui dit « Je sens qu'il va se passer quelque chose d'horrible aujourd'hui » et elle l'a rayé et 3 secondes après elle fait « Mais pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Je n'ai aucune raison d'être inquiète après tout !» C'est très cliché, c'est très cliché, c'est très typé ado, mais pourtant, j'ai quand même un bilan positif de vous donner, enfin à vous donner, et je pensais pas. Déjà, je pensais que ça allait être tellement cliché, que j'allais détester ma lecture, que j'allais être fermée, totalement hermétique à ce tome. Et finalement, pas du tout. Bon, alors c'est très cliché. Mais en vrai de vrai, je pense que comme mes attentes n'étaient pas placées très haut et que honnêtement, j'y suis allée en mode full divertissement, sans prise de tête, je pense que j'ai bien apprécié tout de même. Je l'ai rangé dans la catégorie argent. Ça veut dire que finalement, je l'ai quand même bien apprécié. Alors ce sera pas une relecture non plus, mais je vais continuer la saga. Déjà, il y a un changement de point de vue à chaque fois, donc ça c'est intéressant, dans le sens où
on est à la première personne quand c'est Elena qui écrit dans son journal ou quand Elena est... En fait, il y a des passages autant dans le journal d'Elena que dans la vraie vie, en fait, enfin, dans la vraie vie, dans ce qui se passe dans le roman, globalement. Et puis, tu as une pluralité de points de vue, c'est intéressant, ça rend le tout dynamique, et puis on a envie de le lire. Et puis, je l'ai lu à une vitesse aussi, il faut le dire, j'ai lu en 2 jours, 3 jours maximum. Il fait quand même 400 pages, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, 447 pages, 450, quoi. Et ouais, franchement, si vous cherchez une lecture sans prise de tête avec des vampires, je trouve que, franchement... je l'ai bien lu au bon moment de l'année, dans le sens où je l'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je reviendrai à la fin sur un rapide bilan des livres. Mais je l'ai lu dans le cadre des Pumpkin Autumn Challenge. Et Halloween, il y a carrément Halloween qui s'invite dans le truc. C'est hyper cool. T'as des meurtres, t'as des vampires, t'as du spiritisme. T'as plein de choses comme ça. Donc c'était intéressant à lire dans cette période. Et je pense que je vais continuer la suite. Alors pas bientôt, hein. Voilà, non plus, on va pas abuser. Mais je l'ai mis en catégorie diamant parce que finalement, je me suis retrouvée à être hype par l'histoire. Donc là, on va passer au dernier livre que j'ai lu et je vais pas en dire grand chose parce que bah, vous allez voir. J'ai lu Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, qui est un guide d'éveil spirituel. Globalement, c'est un livre de développement personnel. Et je pense que si vous me connaissez d'avant les réseaux sur YouTube et tout, vous devez sûrement savoir ma haine envers les livres de développement personnel, de développement personnel. Déjà, c'est dur à dire. C'est une sorte de livre de développement personnel qui est écrit sous forme de conférence, un peu, avec une journaliste qui va poser des questions à Monsieur Eckhart Tolle. Et il va y répondre en donnant, en fait, son avis sur la vie. Alors, je l'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, mais également d'une lecture commune avec une amie. Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Et en fait, c'est pas du développement personnel comme je l'ai vu, mais c'est du développement spirituel. Mais c'est vendu comme l'un des livres les plus connus en développement personnel. Un peu à la base Miracle Morning que j'avais détesté. Donc déjà, il faut savoir que je partais d'un exécrable a priori vis-à-vis de ce livre, parce que je me suis dit ça va être encore un livre de développement personnel où on va nous promettre le bonheur, etc. Où on va nous promettre maintes et maintes merveilles. En appliquant une routine ou alors une fonction de pensée différente, comme nous l'avait promis Miracle Morning. Puis Miracle Morning, je reviendrai je pense dans mes livres détestés, mais c'est globalement une autobiographie déguisée pour Hal Elrod. Et j'avais pas du tout apprécié le ton qui était employé dans Miracle Morning. Et je me suis dit ça va être la même pour Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et finalement pas du tout, enfin pas du tout, moins, même pas trop. Bon, je ne sais pas. Déjà, comme vous avez pu le voir, j'ai mis des post-it de référence. Donc c'est que finalement, j'en retire quelque chose de ce livre. Donc c'est déjà positif. Avant tout, je pense ne pas être la cible des livres de développement personnel ou même de développement spirituel. Alors spirituel un peu plus quand même. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman. Et c'est pour ça que j'étais aussi agréablement surprise. Parce que il y a beaucoup, beaucoup de spiritualité dans ce livre. Ce qui est intéressant, je suis croyante. Donc ça m'a intéressée tout de suite. Forcément. J'ai beaucoup apprécié le côté spirituel du roman, où il s'attache sur beaucoup de, par exemple, passages de la Bible. Mais il y a également du bouddhisme et du shintoïsme, il me semble, du taoïsme aussi. Et puis, c'est assez intéressant. Si vous n'êtes pas croyant du tout, je pense que ce livre n'est pas du tout fait pour vous. Mais alors, je parle même... Enfin, si vous êtes sceptique, ne lisez pas, parce qu'il ne résonnera pas du tout en vous. Globalement, Monsieur Eckhart Tolle nous donne une vision de la vie et une approche philosophique de la vie qui constitue à apprécier le moment présent pour être en totale conscience, on va dire, pour être totalement éveillé et accéder à l'être slash un état en fait plus profond, qui ne se limite pas que au corps, qui ne se limite pas que aux souffrances mentales, etc. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du mental dans ce livre. Et puis c'est une approche philosophique, c'est un avis philosophique qui est apporté dans ce roman. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une sorte de recette du bonheur. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié et c'est pour ça que j'étais agréablement surprise. Il y a eu certains trucs qui ont résonné en moi, mais je suis pas d'accord avec tout, et c'est normal de pas être d'accord avec tous les propos, comme d'ailleurs c'est normal de pas être d'accord avec tous mes avis que je vous annonce. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle est intéressant parce qu'il nous donne une approche spirituelle de la vie, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est pas du développement personnel dans le contexte en mode devenir riche, devenir épanoui socialement, ou des trucs comme ça. C'est vraiment
de l'éveil spirituel. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai certains chapitres où j'ai pas du tout accroché. Et puis, il y a tout le temps, mais alors ça, je pense que c'est un propre avec les livres de développement personnel, il y a tout le temps de la redite. Tout le temps de la redite, c'est tout le temps la même chose, dite différemment, ou alors où il y a une toute petite subtilité pardon, qui est accrochée, mais c'est tout le temps de la redite et c'est lassant. Franchement, c'est lassant au bout d'un moment donné et c'est pour ça que je peux pas le mettre dans la catégorie argent ou quoi. Je l'ai mis dans globalement, j'ai lu aussi quoi, parce que ça me... voilà. Je peux vous le recommander si vous cherchez une approche spirituelle de la vie. Je peux vous recommander par curiosité, dans le sens où ça peut être intéressant de voir l'approche philosophique et puis spirituelle que possède Eckhart Tolle dans la vie. Et puis c'est intéressant pour son propos, et puis c'est intéressant aussi pour certaines références bibliques, par exemple, ou même références autres. L'intention est louable, l'exécution est plus discutable, mais c'était intéressant, je vous le conseille aussi. Pour vous résumer mes lectures du mois, ça va être très vite puisque j'en ai pas beaucoup. Le chant d'Achille, j'ai beaucoup apprécié, j'étais agréablement surprise, et globalement le ton de ces lectures c'est agréablement surprise. C'est une histoire assez sympathique, qui franchement est assez entraînante, et qui conviendra à beaucoup de monde, donc je recommande. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, aussi agréablement surprise dans le sens où c'est pas réellement un livre de développement personnel comme le prétendait par exemple Eckhart Tolle, non, comme le prétendait par exemple Alain Roth pour Miracle Morning ou quoi, c'est une approche philosophique de la vie et puis spirituelle surtout. Donc c'était intéressant pour la découverte et puis je le recommande parce que l'intention est quand même louable et puis peut-être que ça peut vous parler, pardon. Et le journal d'un vampire de L.J. Smith, en vrai de vrai, agréablement surprise également, puisque finalement je l'ai pas si détesté que ça, et puis j'ai même finalement apprécié et été entraînée par l'histoire. C'est une lecture second degré, à prendre avec du recul vraiment, parce qu'il y a beaucoup de clichés, il y a des choses un peu discutables aussi, mais il faut remettre ce livre dans le contexte de l'époque et de ce qui fonctionnait avant. Donc finalement c'était aussi une bonne lecture et je continuerai la suite. On a donc deux lectures argent et une lecture en j'ai lu aussi. Si vous avez lu un des livres ou que vous souhaitez même lire un des livres, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'ai tellement hâte de vous lire parce que c'est mon première fois que je fais un retour en fait sur mes livres. Donc si vous avez un retour, n'hésitez pas. Et quelles ont été vos lectures ce mois-ci? Puisque le mois de septembre est passé, selon moi, à une vitesse un peu phénoménale. Et sur ce, moi et ma pile à lire un peu moins longue que mon avenir cette fois-ci, on vous souhaite de belles futures lectures.